Les tortues marines sont des reptiles marins fascinants qui appartiennent à la famille des Chelonida et des Dermochelida. Voici une description générale de ces magnifiques créatures. Les tortues marines ont une forme générale aplatie, avec un corps recouvert d'une carapace solide. Leur carapace est composée de plaques osseuses appelées écailles ou scutes. Certaines espèces, comme la tortue lutte, ont une carapace recouverte d'une peau épaisse et flexible. Leur taille varie en fonction de l'espèce, mais elles peuvent atteindre des longueurs allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres. Caractéristiques distinctives, les tortues marines ont des membres transformés en nageoires adaptées à la vie aquatique. Leurs pattes avant sont modifiées en nageoires puissantes pour la propulsion, tandis que leurs pattes arrière servent de gouvernail. Leur tête est munie d'un bec pointu et leurs yeux sont généralement bien développés. Couleurs et motifs. Les tortues marines présentent une variété de couleurs et de motifs sur leur carapace et leur peau. Ces schémas de couleurs peuvent varier d'une espèce à l'autre et peuvent inclure des teintes de vert, de brun, de noir et de jaune. Certains individus peuvent également avoir des motifs tachetés ou rayés. Les tortues marines sont des habitants des océans et des mers du monde entier. Chaque espèce a une préférence spécifique pour certaines zones de reproduction et d'alimentation. Elles peuvent être retrouvées dans les eaux tropicales, subtropicales et tempérées, ainsi que dans les récifs coralliens, les herbiers marins et les zones côtières. Comportement. Les tortues marines sont connues pour leur longue migration à travers les océans pour se nourrir et se reproduire. Elles sont généralement des animaux solitaires, bien qu'elles puissent se rassembler en groupe dans certaines zones d'alimentation. Elles sont également connues pour leur capacité à retourner sur les plages de leur naissance pour pondre leurs œufs. Il existe cette espèce de tortue marine dans le monde, la tortue verte, la tortue lutte, la tortue kawan, la tortue imbriquée, la tortue olivâtre, la tortue de Kemp et la tortue à dos plat. Chaque espèce a ses propres caractéristiques physiques et comportementales. Régime alimentaire. Les tortues marines sont principalement herbivores, se nourrissant d'algues, de cigrasses et de plancton. Cependant, certaines espèces, comme la tortue lutte, peuvent inclure des méduses et d'autres invertébrés marins dans leur alimentation.
Statut de conservation, les tortues marines sont confrontées à de nombreuses menaces, notamment la pollution, la perte d'habitat, les captures accidentelles dans les filets de pêche, le braconnage et les changements climatiques. En raison de ces pressions, la plupart des espèces de tortues marines sont considérées comme vulnérables, en danger ou en voie de disparition. Migration. Les tortues marines sont connues pour leur migration à travers les océans. Elles parcourent souvent de longues distances pour trouver des zones de reproduction et d'alimentation. Certaines espèces, comme la tortue lutte, sont capables de parcourir des milliers de kilomètres lors de leur migration. Adaptation à la vie marine. Les tortues marines ont développé des adaptations spécifiques pour vivre dans l'eau. Leurs membres se sont transformés en nageoires, ce qui leur permet de nager efficacement. Leur carapace légèrement aplatie et hydrodynamique réduit la résistance dans l'eau. Leurs poumons sont adaptés pour retenir l'oxygène pendant de longues périodes de plongée. Reproduction, les tortues marines retournent généralement sur les plages où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Les femelles creusent un nid dans le sable et y déposent leurs œufs, puis les recouvrent et retournent à la mer. Après une incubation qui peut durer plusieurs semaines, les œufs éclosent et les petites tortues se fraient un chemin jusqu'à la surface et se dirigent vers l'océan. La conservation des tortues marines est une priorité internationale. De nombreux pays ont mis en place des mesures de protection pour les tortues marines, notamment des réglementations sur la pêche, la création de réserves marines et la sensibilisation du public. Des organisations et des chercheurs travaillent également sur la recherche, la surveillance et les programmes de reproduction en captivité pour aider à augmenter les populations de tortues marines. Les tortues marines ont une longévité remarquable. Certaines espèces peuvent vivre jusqu'à 50, voire 100 ans. La longévité varie d'une espèce à l'autre et peut être influencée par des facteurs tels que l'environnement, la disponibilité de nourriture et les prédateurs. Les tortues marines sont des créatures incroyables et fragiles qui jouent un rôle important dans les écosystèmes marins. La protection de ces espèces est essentielle pour préserver la biodiversité et l'équilibre des océans. Adaptation à la vie marine.
les tortues marines ont développé des adaptations spécifiques pour vivre dans l'eau. Leurs membres se sont transformés en nageoires, ce qui leur permet de nager efficacement. Leur carapace légèrement aplatie et hydrodynamique réduit la résistance dans l'eau. Leurs poumons sont adaptés pour retenir l'oxygène pendant de longues périodes de plongée. Les tortues marines sont des créatures emblématiques des océans, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes marins. Il est important de les protéger et de préserver leur habitat pour assurer leur survie à long terme.